Bonjour, bonjour. J'attends que vous vous connectiez. Je suis un peu en avance encore aujourd'hui. Alors, ah ça y est, ça commence. Coucou tout le monde. Ça va? Comment ça se passe, cette première semaine de déconfinement? Bon, le temps est pas trop avec nous. Coucou Caro. Du coup, on est à l'intérieur aujourd'hui. Et on va faire un cours sur chaise. Vous avez été quelques-uns à le demander la semaine dernière. Du coup, ça va contrebalancer notre cours un peu hard de la semaine dernière aussi. Coucou Nadège. Bonjour Corinne. Ça y est, vous arrivez. Alors, quel temps il fait du côté de Metz? Ça doit pas être top non plus, j'imagine. Bon, enfin, je crois que partout pareil aujourd'hui, de toute façon. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Que vous n'avez pas eu trop de douleurs après le cours de la semaine dernière. Oh, c'est timide aujourd'hui. Vous êtes 7-8. Eh oui, je sais, la pluie, ça motive pas trop, hein. Mais vous allez voir, vous serez content après le cours, ça va vous faire du bien. Surtout s'il y a ce stress de la reprise, là. Vous allez être détendu et tonifié de partout. Coucou Chloé. Bon, on va commencer doucement. Donc, vous l'avez vu, c'est un travail sur chaise aujourd'hui. Donc, on va commencer debout. Et on va juste... il fait beau! Oh, punaise, il fait beau à Metz. C'est pas juste. Bon, et donc oui, on va commencer debout avec travail un peu de cervical pour étirer. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Alors, on va se mettre en position pilates. Poids du corps vers l'avant. Et donc, rappelez-vous que quand on est en position pilates, on a vraiment cette espèce de rotation, ce wrap qui vient se faire en serrant sous les fessiers. L'intérieur des cuisses, on se grandit et on va mettre le poids du corps vers l'avant. Essayez de ne pas lâcher vers l'avant, sinon vous allez pincer le bas du dos. On lift le bas-ventre, on descend bien les côtes, on connecte les côtes avec le ventre. On connecte bien sa boxe, le haut et le bas. Et on cherche l'allongement du bas du dos en zippant le bas-ventre. Voilà, vous vous grandissez, vous descendez vos doigts vers le sol. Vous vous grandissez bien, enfoncez vos talons, étirez le sommet du crâne. Et on descend la tête, juste la tête, pas les épaules. Et on cherche à ramener le menton le plus près possible de la poitrine pour sentir un stretch dans la nuque ici. Et revenez droit et regardez vers le haut en descendant bien la poitrine, toujours les côtes connectées. Ne lâchez pas tout vers l'avant. Et on revient face. Et encore, descendez. Et revenez. Et en l'air. Ne lâchez pas complètement la tête en arrière, vous gardez un espace d'un petit cure-dent là. Entre la tête et le haut du dos. Et encore, vers le bas. Et revenez. Et en l'air. Et revenez. Et on va pencher cette fois-ci la tête à droite. Et à gauche. Et encore, à droite. Alors ça doit être encore inversé, mais vous le savez, hein. Si je dis droite, c'est que je le fais vraiment à droite. Et encore, moi je le fais à gauche en miroir pour vous. Encore. Tirez d'un côté, essayez de pendant que vous descendez à droite, de descendre l'épaule gauche, parce qu'elle va avoir tendance à vouloir venir avec vous. Et revenez. Et gauche. Et revenez. Et encore à droite. Et revenez. Et gauche. Et revenez. Un dernier à droite. Revenez. Et un dernier à gauche. Et revenez. Et cette fois-ci, on va regarder, tourner le menton à droite, les épaules restent ouvertes
Et attention à ne pas emmener votre buste avec vous. L'épaule recule, opposée, et revenez. Et gauche. Et revenez. Et encore, à droite. Et revenez. Et gauche. Et revenez. Et encore à droite. Ramenez. Et un dernier à gauche. Et revenez, stop. On va venir presser les mains au niveau des hanches ici, poids du corps vers l'avant. Pressez bien, zippez toujours votre bas-ventre. Les talons sont serrés, l'intérieur des cuisses aussi. Vous avez déjà un travail qui est costaud hein, au niveau des fessiers et des adducteurs. Là. Les genoux sont souples. Pliez les jambes. Allongez les jambes et venez serrer sous les fessiers. Je referme un petit peu mes pieds encore. Pliez. L'espace entre vos pieds, c'est vraiment pas énorme. Ça doit être la largeur d'un poing, vous voyez. C'est vraiment pas gros. Hein. Encore. Pliez. Allongez, enfoncez les talons et zippez le bas-ventre. Toujours en pressant vos mains sur vos hanches avec les coudes qui s'ouvrent un peu. Du coup, vous avez un travail au niveau de l'avant du bras et les triceps aussi. Encore une fois, pliez. Et allongez en serrant dessous. Cette fois-ci, vous gardez ce poids au niveau des jambes. Et on va monter les talons. Pas très haut, mais les talons restent ensemble. Et on retient la descente. Encore. Attention à ne pas lâcher dans le bas du dos. Hein. On regarde l'allongement du bas du dos, on lift tout ça vers le haut. Encore. Et montez doucement. Pressez toujours vos bras. Et retenez la descente. Maintenant, pliez les jambes. Montez, on garde les talons pressés ensemble et on allonge en venant visser sous la fesse. Et descendez doucement. Encore, pliez. Montez. Allongez, vissez, grandissez-vous. Et retenez. Encore une fois, pliez. Je rappelle, hein, là ça reste vraiment allongé, ne lâchez pas. Montez les talons. Gardez les talons pressés ensemble et allongez en serrant dessous ici, toujours connecté avec la boxe. Et on retient la descente, très bien. On inverse, on monte, pardon, on monte, on plie, on pose et maintenant on se sert de l'appui des talons au sol pour venir serrer dessous. Encore, montez, pliez, posez, pressez vos talons ensemble et venez serrer sous la fesse. Les genoux, ils veulent venir regarder sur les côtés de plus en plus. On lâche toujours pas et on monte, on plie. On pose et on allonge, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et relâchez. Bien. Vous devez sentir que ça travaille dans les bras, dans le dos, le haut et le bas, et les jambes aussi, hein, vraiment l'intérieur et l'extérieur. Bien. Soutenez vos bras sur les côtés, poids du corps vers l'avant. Et vous allez venir soulager le poids. Vous allégez le poids de la jambe droite, pardon, et vous venez monter. Et poser. Et on change. Montez. Montez le genou le plus haut possible. Zippez votre bas-ventre. Et on pose. Et encore. Le genou droit. Le plus haut possible. Là, vous devez sentir vos abdos travailler aussi. Hein. Et gauche. Toujours en cherchant à allonger le bas du dos. Zippez ce bas-ventre-là. Et posez. Et encore. À droite. Et posez. Et gauche. Et posez, très bien, relâchez vos bras. On va venir prendre notre chaise. Donc on va se mettre en position pilate. Pour l'instant, la chaise va servir juste d'appui au cas où on perd l'équilibre. Mais on ne s'en sert pas, on va essayer de faire sans. Vous soutenez vos bras sur les côtés, sauf si vous avez des problèmes d'épaule. Dans ce cas-là, vous pouvez laisser en bas ou prendre appui. Mais il ne faut pas que vous sentiez de douleur dans votre dos, hein, ni vos épaules. Donc on transfère le poids du corps sur la jambe... C'est la gauche pour moi, donc je ne sais pas ce qui apparaît sur le téléphone, sur votre écran. Vous allez dégager la jambe gauche sur le côté, soutenez vos bras, et vous allez la monter, et descendez. Et encore, montez, descendez, montez. Le talon est vers le sol, hein. Attention, il n'est pas parallèle, encore, montez. Montez, restez, et on fait des petits cercles. 1, 2, 3. 4, 5, inversez, 1, 2, 3, 4, 5, descendez, et on remonte, et on descend, encore, 2, et descendez, encore, 3, et 4, et 5, attention, on garde le talon dessous, là, et on va venir tirer la jambe derrière, toujours le talon vers le sol. Et on revient vers le côté, toujours le talon vers le
sol. Donc, il faut revenir descendre sa hanche ici. Encore. Derrière, grandissez-vous. N'hésitez pas à poser la main si vous perdez l'équilibre. Et côté, on reglisse la fesse dessous, là. Encore. Derrière, zippez d'avant-ventre, attention à ne pas cambrer. Et revenez sur le côté. Et on fait 10 petits battements vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et stop, posez. Bon, ça commence à chauffer. On va se mettre face à la chaise. On va se dégager un petit peu, s'éloigner un petit peu. Pliez vos bras et penchez un peu le buste en avant. De là, vous avez les deux pieds sont serrés. Vous montez la jambe droite derrière, sans cambrer. Attention à ne pas lâcher hein, le bas du ventre. Et on descend sans poser, encore. 2. Et 3. Encore. 4. 5. Et on fait des petits battements en l'air. 1. 2. 3. 4. Attention à ne pas pincer le bas du dos. 6. Si vous avez mal au dos, penchez-vous plus. 8. 9. 10. Et on descend. Et encore, on monte. 1. Le genou de terre est souple, hein, ne le verrouillez pas. 2. Enfin, les deux genoux même. 3. 4. Allez, on reste en l'air et on fait des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Inversé. 1, 2, 3, 4, 5. Et descendez. Bon, très bien. On change la chaise de côté. Hop. Là, on fait l'autre jambe, on penche légèrement vers l'avant, légèrement vers l'avant, on plie les bras, on penche le buste, on déverrouille la jambe de terre et on monte la jambe en l'air, celle qui n'a pas travaillé encore. Pour moi, c'est la gauche. 2 et 3. Zippez toujours ce bas ventre hein, pour ne pas passer le bas du dos. Encore 5 et on fait les petits battements en l'air. 1, 2, on étire toujours le sommet du crâne en l'air. 5. 6, 7, 8, 9, 10 et on descend. Et on remonte. Encore. Et 2. Ça ne sert à rien de monter très très haut. Par contre, contractez vos fessiers et vos abdos. 4, 5 et on fait les petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, courage, on inverse. 2, 3. Bon, je vous dis de ne pas monter la jambe très haut, mais ne la laissez pas totalement en bas non plus. Hein. Et on descend. Allez, face à moi, on soutient les bras. Vous n'avez pas d'équilibre du tout, tenez-vous. Sinon, vous pouvez rester ici, hein, avec les bras sur les côtés. Comme ça, le dos travaille. Donc, on déverrouille les deux genoux. On vient soulever la jambe droite, enfin l'autre, celle que vous n'avez pas travaillée. Et vous montez le talon vers le sol. Et descendez sans poser. Et 2. Et 3. Allez, appuyez vos bras sur l'air, là, pour avoir une tenue de tout le bras. On va en faire un dernier, restez et petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5, inversé. 1, 2, 3. Ce genou est déverrouillé, attention à ce qu'il ne parte pas dans tous les côtés, hein, sinon vous allez vous faire mal au genou. Donc vous restez en l'air et vous descendez. Et on remonte et on descend. Serrez bien vos fessiers volontairement. Hein, et 3. Allez, les talons dessous. 4. Continuez à lifter votre taille, restez. Et on va vers l'arrière. Et on revient sur le côté en se grandissant. Essayez de contrôler votre équilibre parce que ça fait un travail supplémentaire hein, dans tout le corps. Et revenez en glissant le talon dessous. Allez loin derrière sans cambrer, liftez le bas-ventre, descendez vos côtes. Ramenez sur le côté et 10 petits battements vers le haut. 1, 2, 3, allez courage. 5, 6, 7, 8, 9 et stop. On descend et on relâche. Allez, on secoue un peu les fesses, les boutis et on va venir s'asseoir. Alors, vous restez sur le bord de votre chaise. Je vais mettre ma main ici, comme ça vous verrez mieux. Sur le bord de la chaise, les genoux à 90 degrés, donc les talons sous les genoux, largeur des hanches, vous vous grandissez bien. On va venir poser les bras ici pour avoir toujours un problème de travail de dos. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez descendre vos bras et les laisser avec une direction vers le sol. Comme ça, vous avez vos omoplates qui descendent dans votre dos. Sinon, vous les gardez là et quand vous fatiguez, vous les descendez.
On se grandit. Pressez les pieds dans le sol pour venir avoir une action au niveau de ce ventre et un allongement dans votre bas du dos. Vous devez le sentir normalement. Restez ici et vous montez le genou droit en essayant de ni partir en arrière ni ne décaler vos hanches. On se grandit et posez. Et soutenez, montez. Deux. Et posez. Et encore. Montez, aspirez le ventre et liftez tout ici. Les omoplates toujours descendues dans le dos. Encore. Montez. Et posez. Montez. Droite. Posez. Et gauche, toujours avec un sommet du crâne qui s'étire vers le plafond. Posez. Maintenant, on monte le genou droit. Allongez loin, essayez de ne pas redescendre votre genou et de ne compenser pas en arrière. Pliez et posez. Et gauche. Allongez. Pliez et posez. Encore. À droite. Allongez. Pliez et posez. Et gauche. Allongez. Pliez et posez. Encore une fois de chaque côté. Courage. Vous devez sentir tout le dos qui travaille là. Hein. Et la cuisse aussi, et les abdos, et le dernier à gauche. Allongez, pliez, posez, relâchez. Moi vraiment j'ai tout le côté là qui travaille, hein, tout le haut du dos, d'ici jusqu'en haut. Et le bas du dos aussi je le sens, hein. Mais le bas du dos je le sens plus par rapport à la sangle abdominale. On repart, on remet les bras ici, on descend ses épaules, on se grandit. Vous soulevez la jambe droite en restant bien grand, les épaules au-dessus des hanches. Allongez loin devant. Descendez, pliez, caressez, remontez, 1, et encore, 2, et 3, pliez, on inverse, descendez, caressez, remontez, 1, encore, 2, 3, pliez, et posez, on change, soulevez, allongez, descendez, pliez, 1, et 2, et 3, on inverse. Descendez, tracez loin et remontez sans bouger le dos du corps. Encore. Deux. Allez, courage. Je sais que c'est pas si facile que ça a l'air. Pliez et posez et relâchez. Très bien. Détendez un peu votre dos. Et on va rester assis bien au bord de la chaise. Alors par contre, tournez-vous de profil au dossier pour pas qu'il vous gêne. Comme moi. Hein. Et donc, on va venir s'asseoir vraiment fort au bord, quasiment les fesses dans le vide. Puisqu'on va avoir besoin d'avoir nos lombaires qui vont se rapprocher de l'assise. Par contre, je suis en train de penser, pour les personnes qui ont vraiment des problèmes de dos, qui ont du mal à arrondir, qui n'ont pas assez d'abdos, vous pouvez vous prendre une mini chaise. Je vais vous montrer. Hop. Regardez. Si vous avez des chaises d'enfant, ça marche très bien. De façon à avoir en fait vos pieds un peu soulevés. Donc vraiment bien au bord de la chaise. Si vous avez vos pieds soulevés, ça va vous aider déjà à prendre la bonne position au départ. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, serrez vos fessiers et vous articulez vos hanches vers l'arrière. Attention à ne pas vous tasser. On va vraiment chercher à donner cette orientation des hanches dessous et à chercher un allongement dans les hanches. Ça va jusque là. Donc déjà, les abdos travaillent. Hein. Donc, vous pouvez laisser vos pieds posés ici. Largeur des hanches, si elles sont au sol. Là, sur une petite chaise comme ça, c'est plus difficile. Cherchez en tout cas à garder cette position. Je peux parler comme ça pendant un moment parce que de toute façon vous travaillez quand même. Alors restez ici et vous allez garder vos bras qui tirent devant. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous pouvez vous tenir au dossier. Tirez vos bras devant, soutenez le ventre. Il faut le zipper, hein. Surtout ne poussez pas votre ventre vers l'avant. Il doit rentrer et remonter comme une boule de glace là qu'on remonte. Tirez les bras devant et on monte le genou droit. Et posez doucement. Et gauche, aspirez l'onglet. Surtout, vous ne devez pas avoir mal pendant cet exercice au dos. Si vous avez mal au dos, ça veut dire que vous êtes mal placé, que vous vous positionnez sur vos reins au lieu d'utiliser vos abdos. Encore, gauche. Et posez, encore. Aspirez le ventre. Et posez, et gauche. Posez et revenez, relâchez un petit peu. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Surtout si vous avez mal au dos, faites des petites amplitudes, mais cherchez à être groupé. Il faut vraiment qu'il y ait cette bascule des hanches, cette rétroversion, et que le genou vous aide à rétroverser toujours plus ce bassin. Et donc on va reprendre, donc on repart vers l'arrière, les bras tirent devant, ils vont vous aider à faire contrepoids avec le dos qui va en arrière, ils servent à ça, hein, ces bras.
Soulevez le genou droit. Allongez la jambe le plus loin possible. Pliez et posez. Encore. Gauche. Tirez avec vos abdos le genou vers vous, comme si vous vouliez écraser la cuisse sur la poitrine. Puis vous allongez. Puis vous retirez avec vos abdos sur la poitrine. Et posez. Encore. Liftez votre bas-ventre. Allongez. Pliez, tirez avec les abdos. Et posez. Encore. Gauche. Tirez et servez-vous de vos doigts toujours. Pliez et posez. Ne tirez pas sur votre tête, hein, sur votre nuque. Droite, c'est le dernier. On allonge, on plie, on tire avec les abdos et on pose. Et gauche, serrez sous les fessiers. Allongez, pliez, tirez vers vous, posez et relâchez. Bon, je ne sais pas vous, mais moi ça travaille. Donc, on continue toujours avec la petite chaise pour les personnes qui ont besoin. Surtout pour l'exercice qui arrive, je fais juste la dernier exercice sans la chaise pour ceux qui ne le font pas avec la chaise. Donc on reste avec nos genoux largeur des hanches et on pousse bien sur les pieds. On déroule le dos à nouveau vers l'arrière, les bras tirés vers l'avant, on serre les fessiers. Ça va vous aider à engager aussi votre bas du dos. Et oui, qui l'eût cru. Tirez vos bras loin devant et vous soulevez le genou droit. Alors là, essayez de le ramener vraiment près de la poitrine. Si vous le laissez bas, ça va être encore plus dur. Donc montez-le très haut. Soutenez votre ventre et vous le gardez rentré pour venir mettre l'autre genou en l'air. Puis vous posez le genou droit. Et vous posez le pied gauche. On inverse à gauche, très proche de la poitrine. Et vous venez monter l'autre près de la poitrine. Donc là, ça demande un équilibre et c'est tenu par les abdos. Posez. Et posez. Encore. Droite. Et gauche, gardez le bassin enroulé, hein. Si vous cambrez, vous prenez dans les reins. Posez. Et posez. Et gauche, serrez vos fessiers. Montez. Le bassin enroulé. Posez. Et posez. Encore une dernière fois de chaque côté, courage. Montez. Montez. Allez, on enroule le bassin. Et on pose. Et on pose. Et le dernier à gauche, serrez les fessiers. Aspirez votre bas-ventre. Posez. Et posez et relâchez. Enroulez un peu vers l'avant. Et déroulez. Ensuite, on va faire un travail qu'on fait sur une des machines de Pilates qui s'appelle le réformeur. Et donc, c'est un exercice qu'on fait sur la short box, pour ceux qui connaissent. Donc, ça travaille tout le haut du corps. La taille, le dos et les abdos, encore une fois, et les bras. Donc, on va mettre les bras autour du corps. C'est le hug. Vous serrez vos bras contre vous et vous venez serrer sous vos omoplates. De là. Vous pressez bien sur vos pieds dans le sol et vous allez venir enrouler légèrement le haut du corps. Attention à ne pas vous tasser, comme si on était toujours suspendu là, entre les omoplates, par un fil. Donc, serrez sous les omoplates, pressez vos pieds, poussez le nombril vers l'arrière et vous déroulez votre bas du dos vers l'arrière, doucement. Inspirez, fessiers serrés, très important. Inspirez, inspirez, inspirez. Donc, il y a un moment où les pieds s'allègent. Hein. Et remontez, poussez, ancrez votre bas du dos au sol. Remontez, expirez. Et encore. Inspirez. Serrez les fessiers. Et ancrez votre bas du dos. Expirez. Allongez toujours la nuque. Venez jusque devant. Allez, encore. Inspirez. Serrez les fessiers. Et déroulez, creusez le bas du ventre. Expirez. Allez, il en reste deux. Inspirez. Bas du dos. Hein. C'est ça la priorité. C'est bien toucher la chaise. Autant que possible, hein, c'est pas évident. Bas du dos. Expirez. Allez, le dernier. Inspirez. Et expirez, videz l'air, ancrez ici. Et revenez jusque devant. Relâchez. Donc, vous allez venir soit prendre un vêtement, une écharpe, ou si vous avez des problèmes d'épaule, vous mettez vos mains ici. J'arrive, je prends juste un truc. Donc, toujours assis au bord de la chaise, vous allez venir, si vous avez un tissu ou une écharpe, mettre vos bras en l'air. En levant les yeux, vous devez pouvoir voir les bras, ils ne doivent pas être complètement en l'air, sinon ça vous fait cambrer. Je ne sais pas si vous voyez dans mon dos. Il faut arriver à rapprocher vos côtes dans votre dos et avoir les bras un petit peu en avant des oreilles, on va dire, pour protéger vos épaules. Pressez vos pieds dans le sol. Allongez bien le bas du dos et vous essayez de mettre une tension dans ce tissu-là.
C'est-à-dire que s'ils ne sont pas juste posés en l'air, il y a vraiment une action des bras vers l'extérieur pour travailler tout le bras. Grandissez et vous partez vers l'arrière très grand. Donc attention à ne pas partir qu'avec le haut du corps, sinon vous cambrez. Partez avec vos hanches. Inspirez, servez-vous de l'appui de vos pieds. Et revenez grande, expirez. Encore. Inspirez, partez, 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 partez. Et revenez grand, expirez. Encore. 3. Inspirez, inspirez, inspirez. Partez avec vos hanches. Hein. Et revenez, expirez. Encore 2. Inspirez, connectez bien votre box, le haut et le bas. Et revenez. Et le dernier. Si vous ne voulez pas que vos pieds se soulèvent, ne partez moins loin, hein, réduisez les amplitudes. Et revenez. On part directement vers l'avant, dos plat, sans cambrer. Et de là, vous allez tourner vos deux épaules vers le fond de la pièce pour moi. Les deux épaules, on fait une diagonale. Grandissez, continuez à tirer vos bras vers le haut et vers les côtés. Et en même temps, poussez dans vos pieds votre nombril vers l'arrière. Et revenez. Si vous fatiguez dans les bras, vous redescendez et vous recommencez. La même chose à gauche, on se penche d'abord devant et on tourne toute la taille. Grandissez, grandissez, tirez vos bras loin, poussez le nombril vers l'arrière, serrez vos fessiers et revenez. Tout ça, je sais. Encore, loin devant, tournez, grandissez-vous et revenez. Et à gauche, penchez et tournez, grandissez-vous et tirez vos bras loin, longez vos poignets. Et revenez. Allez, un dernier de chaque côté. Poussez dans vos pieds. Allez, chercher loin avec vos bras. Et revenez. Et le dernier à gauche. Je veux vraiment sentir votre zone du bas du dos hein, dans cet exercice. Poussez et la taille aussi. Et revenez. Stop. Enroulez vers l'avant. Détendez un petit peu. Et on va repartir pour faire la taille toujours en se grandissant. Tirez bien vos bras sur les côtés. Serrez sous les omoplates. Et on va tourner toute la taille à droite. Voilà, coucou. Et revenez. Et gauche, vissez bien, poussez toujours les pieds dans le sol. Et revenez. Attention à ne pas faire tourner que les bras. Les bras sont fixés dans votre taille, enfin dans votre box. Et c'est la taille qui travaille. Inspirez, tournez. Vissez, 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 vissez. Et revenez. Et encore, gauche, inspirez. Et revenez. Attention à bien allonger vos poignets. J'ai tendance à les casser. Il faut vraiment les tirer loin devant. Maintenant, pour ceux qui sont à l'aise, sinon vous continuez comme ça. Vous vissez et vous partez loin vers l'arrière. Et vous revenez. Et expirez, revenez face. Gauche, inspirez. Grandissez-vous, partez vers l'arrière sans cambrer. Revenez, face et relâchez. Très bien. Maintenant, petit étirement. Attention à ne pas vous casser la figure parce qu'il est un peu acrobatique celui-là. Donc si vous avez des problèmes de dos, d'abdos, vous faites que la version stretch qu'on va faire au début, je vais vous l'expliquer, ça fonctionne très bien. L'autre c'est un peu plus challenge, ça vous fait travailler l'équilibre, donc un peu plus les abdos. Donc vous allez mettre, toujours en vous asseyant bien au bord de la chaise, vous allez mettre les deux mains sous la jambe droite, les coudes soutenus et le dos long. La cuisse est le plus près possible de la poitrine et sans la décrocher de la poitrine, vous allongez et pliez. Encore. 2. On en fait 3. S'il y en a qui sont pas à l'aise et qui préfèrent continuer à faire ça, vous le faites 5 fois. Pour les autres, on monte les mains le long de la jambe. Toujours le talon vers l'intérieur, le dos long. On s'enroule vers l'avant. Puis on part vers l'arrière. On cherche à venir poser les lombaires au sol. Cette jambe reste vers le plafond. On descend les mains en venant ancrer cette fois-ci le bas du dos sur la chaise. C'est tout à fait possible de le faire, hein, là. On remonte les mains, on se grandit, on articule bien le bas du dos. Et on va vers l'avant à nouveau, on expire. On repart vers l'arrière, arrondit toujours. On descend les mains et on vient ancrer le bas du dos en serrant les fessiers. Remontez les mains, inspirez. Insistez sur ce bas du dos qui reste sur la chaise. Grandissez-vous les coudes toujours soutenus et venez vers l'avant. Et encore. Vers l'arrière. Descendez vos mains. Expirez. Remontez vos mains. Grandissez. Et quand vous vous penchez vers l'avant, vous devez sentir un petit stretch dans votre dos. Redressez le dos. Et pour tout le monde, on fait flex. Pointe. Encore. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Et on vient tirer le buste et la jambe ensemble. Et stop.
On change. Les deux mains sous la cuisse, on se grandit. Alors, je vais mettre dans l'autre sens, sinon je vais gêner. Voilà. Donc, les deux mains sous la cuisse et on allonge et on plie. On allonge et on plie. On allonge, on reste. Si les autres continuent, s'ils ne veulent pas partir en arrière. Et vous venez vers l'avant. Doucement, vous partez vers l'arrière en serrant les fessiers. Vous descendez les mains en expirant. Toujours la jambe en l'air. Essayez de sentir le poids de ce genou vers le sol pour étirer dans le psoas. Ça lui fera du bien. Remontez en insistant sur le bas du dos. Grandissez-vous et venez vers l'avant, expirez. On repart. Inspirez. Descendez vos mains, expirez. Et on repart. Enroulez, inspirez. Grandissez. Et venez vers l'avant, expirez. Une dernière fois. Inspirez. Descendez, expirez. Remontez. Grandissez. Et venez vers l'avant, expirez. Redressez le dos et pour tout le monde, flex, pointe, je sais, ça tire, pointe, on essaie de rester en pilates, flex, pointe et on s'enroule, non, on s'étire, pardon. S'il y en a qui veulent un peu plus de stretch, vous pouvez venir attraper le talon et les orteils. Et on tire, oulala, et on relâche. Très bien, c'est pas mal du tout. On va travailler les bras, on va le faire debout. Voilà, donc je vais mettre toujours de profil, les talons ensemble, poids du corps vers l'avant et moi on va avancer les bras ici. Serrez sous vos omoplates, rentrez vos côtes et allongez le bas du dos ici. Fessiers serrés, cherchez ce wrap et on plie, on contracte et allongez. Et encore, pliez, allez contractez bien vos biceps, allongez, pliez. Allongé et on va ouvrir sur les côtés. Donc là, cherchez vraiment à être légèrement en avant de l'épaule. C'est vraiment pas ici, hein. Sinon ça vous fait lâcher un peu les côtes vers l'avant et ça c'est pas très bon pour l'épaule. Donc serrez sous vos fessiers et pliez en contractant. Et allongé. Et encore, toujours le poids du corps devant. 2. Et allongé. Et encore. 3. Allongé, descendez vos bras. Poids du corps toujours devant. Et on va contracter les biceps. Allongez. Et vous faites flex. Encore. Pliez. Contractez. Allongez. Et flex. Encore. Contractez. Allongez. Et flex. Relâchez vos bras. Relâchez un petit peu votre dos. Et déroulez. Cette fois-ci, on presse les poings l'un contre l'autre. On garde les épaules ouvertes, mais par contre, on cherche à ouvrir les coudes vers l'avant. Pressez les poings vraiment ensemble, ça va vous donner une résistance, toujours le poids du corps devant. Et vous allez chercher à monter les poings en gardant les coudes ouverts. Et pressez vers le bas, expirez, encore. Inspirez, zippez le bas-ventre et allongez toujours le bas du dos. Pressez vers le bas, expirez, encore. 3. Et pressez, on va en faire 2 de plus, encore. Cherchez à sentir vos triceps. Et pressez vers le bas. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Très bien. On va passer en parallèle. Soulevez vos talons, passez parallèle. Et vous allez venir fléchir les jambes. Pour venir avoir les poings contre la poitrine ici. Les paumes de main vers vous. Attention à ne pas lâcher, sinon vous allez cambrer. Il faut zipper ce bas-ventre et connecter les côtes avec le bas de la boxe. Toujours le dos long, vous allez allonger le bras droit loin devant et le bras gauche loin derrière avec résistance. Pliez, contractez. Vous devez vraiment sentir que vous enfoncez vos deux poings dans quelque chose de très compact et que ça travaille du coup dans tout le bras et le dos. Résistez en ramenant. Encore. Allongez loin, inspirez. Expirez, ramenez. Encore. Inspirez. Expirez, ramenez. Et loin devant, inspirez. Contractez, ramenez. Inspirez. Contractez, ramenez. Relâchez vos bras, relâchez votre dos. Ramenez les talons ensemble et déroulez doucement. Très bien. Mince, il y en a un que j'ai oublié. On va revenir
On va revenir au tabletop, pardon. En parallèle et revenez à plat ventre. On va ouvrir les bras sur le côté, le dos long, et on va contracter en fermant les bras, comme si vous faisiez un câlin à un gros nounours. Et vous ouvrez sur les côtés. Du coup, en vous montrant dans cette position-là, on a les pieds parallèles. Contractez, inspirez. Expirez, ouvrez. Encore. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez sans rien lâcher. Les fessiers serrés. Expirez. On inspire sur place. Et on expire, on ferme. C'est la même chose, sauf qu'on a changé la respiration. Encore. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Et relâchez le dos. Ramenez les talons au sein. Et déroulez doucement. Je reste face à vous. Vous allez monter le bras droit en l'air. Et vous venez étirer loin vers le haut et légèrement sur le côté. En gardant les côtes rentrées. Le ventre aspiré pour surtout pas cambrer. Et lâchez ce bras-là. Revenez vers le haut. Descendez. La même chose à gauche. Venez étirer loin. Étirez, étirez, étirez. Et revenez. Descendez encore. À droite. Et étirez, grandissez, aspirez toujours ce ventre. Lâchez le poids du bras. Et ce pied s'enfonce dans le sol. Comme ça, ça cherche l'allongement ici. Et revenez. Et en l'air. Et étirez, aspirez toujours le ventre. Et revenez. Un dernier de chaque côté. Montez. Étirez, grandissez, ancrez votre hanche, votre pied. Et revenez. Et le dernier de l'autre côté. Montez, inspirez. Étirez loin. Enfoncez le pied dans le sol. Et stop. Très bien. Donc on a fait une fois les bras. Maintenant on va reprendre sa chaise. On va venir faire un peu de gainage. Donc vous allez venir poser votre coude sur la chaise. Si vous avez des problèmes d'épaule, ne le faites pas. Donc on vient poser le coude et on vient décaler ses deux jambes sur le côté. On se grandit. Et on vient poser le bras ici et on reste. On essaie de venir tenir son ventre et surtout de contracter ici les deux épaules face à moi. Attention à ne pas pencher. Les deux épaules et les deux hanches face à moi. Grande. On inspire profondément. On expire, on creuse le ventre. Et encore, on inspire. On expire. Et encore une fois, on inspire. On expire. Et cette fois-ci, on va chercher à faire des petits pulses vers le haut. 1, 2, allez, c'est les hanches qui montent. 3, 4, encore. 5, 6, 7, 8, 9, stop, on reste. Ceux qui peuvent, soit vous restez comme ça, ceux qui peuvent, vous montez la jambe. Et vous descendez. Allez, même pas mal, encore. 2, allez, courage. 3, 4, 5 et stop. On revient doucement et on va faire l'autre côté. Bon là on sort un peu du cadre au pilates, hein. Ça reste du renforcement doux, mais c'est pas des mouvements de la méthode Romana. Alors même chose, on va venir poser son coude gauche. Surtout ne essayez de pas aller vous laisser vous avachir sur votre épaule, mais repoussez-vous de ce bras et de ce coude pour pas vous faire mal. On cherche à muscler aussi, hein, cette épaule là. Donc on pose le coude. Et on vient se décaler les deux jambes alignées, pas trop en avant ni trop en arrière par rapport au coude. On monte le bras et on inspire profondément. Et on expire, on creuse. Videz, videz, videz l'air encore. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Et on va monter le bassin. 1, 10 fois. 2, allez encore. 3. 4, encore, 5, 6, 7, courage, 8, allez, on monte encore, 9, stop, ceux qui le peuvent, vous montez la jambe, et descendez, et 2, et 3, attention à ne pas laisser tomber vos hanches vers l'avant ou vers l'arrière, un dernier, et stop, ramenez doucement, super, on va finir avec des bras, et après on s'étirera. Poids du corps vers l'avant, vous allez cette fois-ci mettre vos paumes de main face à face. Si vous avez un cercle de pilates, n'hésitez pas à le prendre, parce que ça peut se faire avec le cercle aussi. Donc on presse les bras avec résistance. On contracte les biceps et les pecs. Et on serre sous les omoplates. Relâche un petit peu. Presse et restez. On relâche un petit peu. Presse et restez. Et pressez 8 fois. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Pressez, contractez bien. Et encore. Pressez, restez. Encore. Pressez et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Venez devant la poitrine. Toujours les omoplates descendues. Et pressez. Encore. Pressez. Encore. Pressez et pressez 8 fois. 1, 2. Les coudes ne descendent pas. Hein. À chaque fois que vous pressez, reste sur les côtés. 7. Stop. Une dernière fois. Pressez. Encore. Pressez. Allongez bien la nuque. Pressez. Toujours cette résistance entre vos paumes de main. Et 8. 1, 2, 3, 4. Les genoux souples. 6, 7, 8. Allez, on monte au-dessus de la tête. Si vous avez mal aux épaules, restez à hauteur d'épaule. Restez ici et pressez. Encore. Pressez. Toujours ce voile dans les jambes. Hein. Pressez. Et pressez 8 fois. 1, 2. Attention à ne pas lâcher les côtes et le ventre vers l'avant. Hein. 6, 7, 8 encore. Pressez, restez. Encore. Pressez, restez. Et pressez, restez. Pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le dernier. Pressez. Encore. Courage. Pressez. Allez, encore. Pressez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Relâchez. Et on va passer les bras derrière. On ouvre les épaules sans sortir les côtes. Attention, hein. On les garde connectés dans la boxe tenue. Et pressez en gardant les épaules ouvertes. Serrez toujours les fessiers. Encore. Pressez. Encore. Pressez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Pressez, restez. Et pressez, restez. Encore. Pressez, restez. Et pressez 8 fois. 1, 2, 3, 4. En cherchant à garder les épaules ouvertes. 7. Stop. Du coup, on serre entre les omoplates et relâchez. Très bien. On finit avec des étirements avec notre chaise là. Vous allez venir poser votre jambe droite. Attention à garder vos deux hanches et vos deux épaules face à la chaise et de ne pas avoir votre poids du corps trop en avant. Vous devez avoir vos deux hanches au-dessus du talon droit. Donc, j'avance un peu. Voilà. Donc, on inspire, on se grandit. On expire, on enroule la tête, les épaules. Et on vient étirer vers la jambe en expirant. On déroule. Et on vient venir plier la jambe de devant. Et on continue à enfoncer le talon derrière. On aspire toujours le bas-ventre. Et on va chercher à enrouler un tout petit peu le bassin. On vient diriger le coccyx vers le sol. Pour avoir un étirement dans le psoas ici. Et le talon est étiré avec le mollet derrière. Et on repart vers l'arrière, dos rond. Et on déroule doucement, on revient mettre son poids du corps devant, comme si on voulait s'asseoir sur le talon. Par contre, la jambe de derrière reste tendue, on étire en enfonçant le talon au sol et on aspire le bas-ventre. Encore, dos rond. Si vous voulez, vous pouvez faire flex avec votre pied pour chercher un peu plus de stretch dessous. Gardez bien votre poids du corps entre les deux jambes, ne transférez pas tout sur la jambe de terre, hein. Et déroulez doucement, revenez mettre votre poids du corps devant, toujours le talon enfoncé derrière, bassin près du talon qui est devant, et revenez poser. On change de jambe, attention à ne pas faire basculer votre jambe hein, quand vous asseyez devant. On enroule doucement et on enroule en expirant. Poids du corps entre les deux jambes. Et on déroule, on inspire, on se grandit. Et on vient le plier vers l'avant, pardon. Grandissez, enfoncez le talon derrière. Et on repart vers l'arrière, dos rond. Les deux hanches face à la chaise et le poids du corps entre les deux jambes. Si vous poussez votre poids sur la jambe de terre, vers l'extérieur, là vers le mur, il y a beaucoup moins de travail d'étirement. Et on déroule, on revient, poids du corps devant. Aspirez votre ventre. Et encore une fois vers l'arrière. On peut faire pied flex.
Et on déroule une dernière fois pour venir poids du corps devant. Et relâchez. Allez, on étire aussi le long du corps en venant faire nos petits exercices de méli-mélo des bras là. Vous venez mettre votre main droite. Vous passez le bras gauche dessous, vous attrapez le pouce, vous inspirez profondément et vous expirez, vous montez les doigts, vous grandissez, vous gardez les coudes qui montent en gardant les épaules en bas. Vous pouvez rentrer un petit peu le menton pour étirer un peu plus la nuque. Et revenez. Poussez dans vos pieds en même temps, comme ça il y a toujours un travail du bas du corps aussi. Expirez, enroulez et gardez vos épaules en bas pendant que les coudes montent. Et relâchez encore une fois. Toujours le repousser des pieds. Expirez. Voilà, super, relâchez. De vraiment sentir l'étirement au niveau des trapèzes et entre les omoplates. On a même du mal à étirer cette zone-là, donc profitez-en là. Bras gauche, main droite dessous. Ça va pour tout le monde. Voilà. On se grandit, on inspire. Et on expire en montant les coudes. On descend un petit peu la tête. Et on garde les pieds qui pressent au sol. Relâchez un petit peu, inspirez. Expirez, tirez, enroulez un petit peu la tête. Poussez dans vos pieds, montez vos coudes, mais gardez les épaules basses. Relâchez, inspirez. Le dernier, expirez. Et relâchez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, c'était un peu différent d'habitude, c'était un peu plus doux aussi. Bon, normalement, vous avez dû sentir toutes les parties du corps. Hein. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude dimanche prochain, en espérant que ça va et que cette reprise se passe bien pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions par là? Bon, en tout cas, n'hésitez toujours pas à me dire s'il y a des trucs qui vous conviennent mieux que d'autres ou pas. J'essaie de mettre l'accent sur le dos, surtout au niveau des exercices d'abdos sur la chaise aujourd'hui, parce que je sais que des fois, il y a certains pour cet exercice-là qui ont mal au dos, ce qui n'est pas normal. Donc essayez vraiment de toujours garder ses hanches glissées dessous. Et si vous avez mal au dos, c'est qu'il y a quelque chose qui ne veut pas. Et oui, c'est sûr que le temps n'aide pas. Mais en tout cas... C'est vraiment ce cours-là sur chaise, c'est vraiment un exercice qui peut vous aider vraiment à fortifier votre boxe. Donc n'hésitez pas à la refaire chez vous ou à choisir une série d'exercices à faire comme ça quand vous avez un moment où vous n'avez pas quoi faire par exemple. C'est vraiment des exercices qui sont bons pour la boxe et qui vous aident à... Comme il n'y a pas beaucoup de complications, que c'est des mouvements qui sont assez simples, ça vous permet de vraiment penser à tout ce qu'il y a à penser. Je sais que c'est beaucoup. Donc les épaules, les côtes, le ventre, il faut que vous arriviez à, au fur et à mesure, en avoir conscience. Et après, ça devenir un peu automatique, vous allez les engager assez facilement tout le temps. Mais voilà, l'exercice sur chaise, c'est vraiment bien pour ça. Ben merci, je suis contente de tous vous voir. Des bisous à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Et à très bientôt. Prenez soin de vous.